Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les grands titres. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles séjourne actuellement au Nigeria. Il a été reçu au Sénat du pays le mercredi 19 janvier 2022. Il rencontre les plus hautes autorités de ce pays par cette visite. Le leader du parti Petite Dessalines dit être à la recherche d'opportunités pour Haïti. L'homme politique est à la tête d'une délégation qui séjourne actuellement en terre nigériane. Dans une note de clarification publiée le 20 janvier 2022, le juge instructeur en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, Gary Aurélien, rejette les accusations de corruption portées contre sa personne par Pierre Espérance. Le magistrat instructeur met en demeure Pierre Espérance de produire tel fait et ou telle justification pouvant donner quelques fondements de telles allégations. L'autorité de l'État haïtien a informé à travers une note ce jeudi 20 janvier 2022 la suspension des services des bureaux régionaux du territoire national. Autre point de l'actualité, Frixal Tenor, avocat au bureau de Croix-des-Bouquets, qui est également étudiant en sciences politiques à l'INAGE, a été assassiné ce jeudi 20 janvier 2022 à l'avenue Christophe par des individus non identifiés circulant à moto. Révolté, ce crime, Richard Sadrak exige que lumière soit faite sur cette exécution. L'ancien commissaire du BLTS, Patrice Israël, a été tué par des bandits armés à Croix-des-Bouquets. Selon les premières informations, il aurait été tué lors d'un affrontement entre la police et les membres du gang 400 Maozo à Carrefour Marassa. Il se serait trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et aurait été pris pour cible par les bandits. Sur le plan international, au moins 17 personnes ont été tuées et 59 ont été blessées jeudi près de la ville de Bosogo au Ghana. Dans l'accident de camion transportant des explosifs, de nombreux bâtiments ont été touchés et les habitants racontent des scènes de désolation. Ici prend fin ce bulletin d'information, micro-présentation Erland Dorville. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.